close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Eh bien le bonjour tout le monde. Comment ça va? Vous allez bien? Attendez, je vais mettre la webcam. Hop. Hello tout le monde. Alors, c'est un vidéo un peu... C'est un live un peu spécial. Parce que, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le serveur sur lequel je joue. Donc, c'est-à-dire Kellox RP. Et je vais vous montrer tous les points positifs, toutes les nouveautés que, personnellement, je n'ai jamais vues ailleurs. Et je vais essayer par le biais de cette vidéo vous donner l'envie de nous rejoindre sur ce serveur. Voilà. Cette vidéo risque de durer entre 40 minutes et 50 minutes, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. Ok? Voilà. J'espère que ça vous plaira et j'espère que ça vous donnera l'envie de venir sur ce serveur qui, pour moi, est le meilleur serveur que j'ai fait actuellement. Voilà, personnellement, niveau nouveauté, niveau gameplay, niveau staff surtout, j'ai jamais vu mieux que Kellox RP. Voilà. Et non, je ne suis pas payé pour dire ça. Bon, on va commencer par le début. Quand vous arrivez à l'aéroport, je vous invite à aller regarder ma vidéo d'hier. Sur la vidéo d'hier, ce sont mes premiers jours sur le serveur, étant donné qu'il vient de réouvrir après un mois de vacances, si on peut dire ça comme ça. Ils ont bossé pendant un mois dessus pour le faufiner, pour le rendre encore mieux que ce qu'il était. Voilà, donc je vous invite à aller voir ma vidéo d'hier, comme ça vous verrez mon arrivée, vous verrez l'aéroport et tout ça. Je veux bien vous montrer comment se passe l'aéroport. Mais l'arrivée en avion, je ne serai pas vous la montrer, à moins que, attendez, on peut faire quelque chose. Je peux vous la montrer vite fait sur cette vidéo-ci. Je vais vous montrer un petit peu la création du personnage et tout ça. Donc là, je suis durant ville. Là, je suis pris par le taximan. Pink.
Voilà, donc ça c'est l'arrivée sur le serveur. Vous créez votre personnage. Personnage très très détaillé. Vous avez beaucoup de possibilités pour faire un personnage unique et vous ressemblant. Ok. Voilà, vous pouvez changer les cheveux, tout ça, mais ça vous connaissez, je suppose. Ensuite. C'est bien comme ça, non? Bon, moi, il me faut un peu de temps pour. Forme des sourcils. Pour faire mon perso. Elle est énorme! On va pas commencer. Pas cher! Oui? Voilà, donc là mon perso est terminé. Oh, comme ça, il me plaît bien. Une fois que vous validez, c'est mon bonhomme. Vous allez avoir une petite introduction que voici. Pourquoi changer? Moi, j'aime bien celui-là. Reflet. Couleur des mèches. Ça, je peux pas normalement. On va rester comme ça, je pense. Hein. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche. C'est qu'un détail, hein, mais bon. Ouais, on va rester comme ça. C'est un travail qui mérite d'être souligné. Ouais, on va rester comme ça. On est pas mal. Ouais, on va... Ouais, comme ça, il est bien, mon perso. Allez, dépêche-toi. Valide! Bon, ben voilà. Ouais, on va rester comme ça. On va commencer. Allez, nouvelle aventure qui commence. Voilà, donc là, on est dans l'avion. Alors, c'est parce qu'il y a le truc au milieu, mais on voit pas le... On voit votre personnage. Salut, Dude. Tu vas dormir seulement maintenant? Sérieux? Voilà, donc ça, c'est d'arriver à l'aéroport. Espace pour se réveiller. Vous arrivez à l'aéroport. Bonsoir. Vous avez des douaniers. Alors, c'est nickel. Un point très important, pour pouvoir rentrer en ville, vous avez obligatoirement besoin d'un douanier. Pourquoi? Parce qu'il va vous donner votre passeport avec lequel vous allez pouvoir passer l'entrée qui est ici. Ah, comment allez-vous? Non, mon gars, ici vous passez votre douane. Monsieur. Voilà, voyez. Donc ici, vous allez devoir utiliser votre passeport. Bonne nuit, poteau. Pour rentrer dans la ville. Une fois que vous êtes entré dans la ville. Alerte. Et la taille, on mettait. Il y a du monde, dis donc. Donc ça, c'était l'ouverture, c'était hier soir. Attendez. Alors, dès que vous arrivez en ville, vous avez des PNJ pour vous aider. Comme ici. Ça non plus, j'ai jamais vu ailleurs. Et vous pouvez lui poser des questions. Bonjour monsieur, on vend des taxis. Enfin, on vend pas des taxis, mais on propose de trajet en taxi. Si, si, vous souhaitez, monsieur. Ah ben, vous voulez bien? Crescent, oui. Tu vas niquer le business, comme ça on vend des taxis. Oh. Ah oui, il y a monsieur Tolopé, il y a monsieur Latin. Voilà, donc ça c'est votre arrivée sur Kellogg's, sur le serveur. On retourne sur le live. Voilà. Alors ici, on va commencer par le début. Hein. Je vais prendre ma voiture, je vais vous montrer l'aéroport. Oh! Salut Kex! Merci pour ton prime! Merde, je suis foutu. Merci pour ton prime, poteau, comment tu vas? Ça fait plaisir? Ça fait un petit temps que t'es pas venu, ça fait plaisir. Ah ouais, merde, j'avais oublié que ma voiture était cassée. Bon allez, je vais vous conduire à l'aéroport. Je vais vous montrer un peu comment il est. Espérons pas se reprendre en otage, ça serait bête. Voilà, donc là on va aller à l'aéroport. Ou alors vous savez quoi? Non, je vais vous laisser découvrir l'aéroport. Salut Poto, comment tu vas? Je vais vous montrer les fondamentaux.
Alors, la place des cubes, qui n'est plus la place des cubes. Attention, il y a des flashs en ville. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Hein. Voilà, donc ça, c'est la place des cubes. Voilà, je vais vous présenter la place des cubes. Alors, ceci, c'est une roue avec laquelle vous allez pouvoir gagner de l'argent en votant. Oh non, me dis pas qu'il va y avoir la truc. Donc, à chaque fois que vous allez voter, vous allez avoir des bitcoins, comme ceci. Vous voyez ? Vous avez des bitcoins. Et quand vous avez 4 bitcoins, vous pouvez tourner la roue. Et quand vous tournez la roue, ça vous donne soit des sous, soit une caisse surprise, ou soit des bitcoins. Ok ? Alors, ici, vous avez le magasin. Magasin de vêtements. LTD. Où vous allez pouvoir acheter votre téléphone. Ici. Vous voyez. Hop. Faites vos achats. Alors ici, c'est tout ce qui est nourriture. Donc des cupcakes, du pain, des sandwichs, des bouteilles d'eau. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est pour fumer. Et ici, vous avez tout ce qui est nécessaire. Donc c'est-à-dire... Ah ben j'ai faim, justement. C'est-à-dire donc une canne à pêche pour pêcher. Vous allez pouvoir pêcher pour vendre des poissons. Un parachute. Des leurres pour pêcher. Des graffes pour faire des graffes sur les murs. Des jumelles. Un nettoyant pour graffes. Une paire de rollers. Le téléphone. Et une carte SIM. Voilà, donc vous allez acheter votre téléphone. D'accord. Et alors vous allez acheter de la bouffe. Donc moi je vais en profiter, je vais prendre de la bouffe aussi parce que j'en ai plus. Je vais prendre 10 sandwichs et 10 bouteilles d'eau. Voilà. Et voilà. Voilà, donc ça c'est ici que vous allez pouvoir acheter votre téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Et vous ? Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on a de bon ? Au revoir. Cupcake. Alors, donc, je t'ai montré la place des cubes, je t'ai montré les magasins. Maintenant, je vais me mettre quelque part pour te montrer le plus important. Tiens, là déjà, ils ont des bagnoles de sport. Alors, je vais te montrer d'abord les menus. Alors, tu vois tout en haut à droite, j'ai une montre. Tu dois certainement te demander qu'est-ce que c'est. Ça, c'est le truc que, pour moi, révolutionnaire que je n'ai jamais vu sur aucun serveur. Je vais te montrer. Donc, la montre. La montre, elle te sert pour ta faim, ta soif, ton stress et ta vie. La montre, tu peux... la changer. Tu vois, ça c'est l'heure. Ça, ce sont tous les paramètres que tu peux faire pour ta montre. Ça, c'est ton job. Et ça, c'est ton compte en banque, plus ce que tu as en liquide sur toi. Ok ? Alors, en appuyant sur K, tu fais apparaître une petite flèche que tu vas pouvoir utiliser sur ta montre. Donc, admettons, si tu veux... regarder les paramètres, tu vas faire K, et là tu vois, tu peux déplacer ta montre, tu peux la mettre où tu veux, tu peux mettre la taille que tu veux, tu peux mettre une alarme pour te prévenir quand tu es à 20% ou 30% ou 40% de ta soif et de ta faim, donc tu auras une petite alerte pour te dire que tu dois manger. Et alors ici, ce sont des petits gadgets comme mettre le bracelet, enfin tu vois. Bon, moi la montre, je la mets ici. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu nulle part, honnêtement. Donc, je te rappelle, hop, ton emploi, ton salaire, enfin, ton compte, et ta faim, ta soif, et tout le bordel. Ok ? Voilà. Ensuite, tu as le menu F1. Le menu F1 avec lequel tu vas tout faire. Ici, tu as ta montre. Affichée.
et enlever. Ensuite, ici tu as ouvrir et fermer ton véhicule. Voilà. Ici tu as ton menu personnel. Avec ton portefeuille, rappelant ton métier, ce que tu as en banque, si tu as d'argent sale, et patata et patati. Tu as tes factures. D'ailleurs, je dois payer les miennes. Voilà. Tu as tous les vêtements. Ça, c'est les vêtements que tu achètes. Si tu veux changer, tu viens ici. Ensuite, les accessoires. Les boucles d'oreilles, lunettes, chapeaux, masques et tout le bordel. Gestion d'entreprise et gestion d'organisation. Ensuite, menu voiture. Quand tu es dans ta voiture, ouais bon, je vais être dans le véhicule pour bien faire. Donc quand tu es dans ton véhicule, hop, tu as tes informations, le niveau de ton moteur, le niveau d'essence, le type de voiture, et patata, et patata, éteindre le moteur, rallumer le moteur, ouvrir le capot, fermer le coffre, voilà. Tu sais lire comme moi, donc tu sauras exactement comment l'utiliser. Ensuite, ton téléphone, que tu dois acheter au LTD quand tu arrives. Téléphone avec pas mal d'applications, avec le AirDrop, qui est vraiment bien foutu. Comme ça, tu ne dois pas enregistrer les numéros de téléphone manuellement. Tu partages ton numéro autour des gens, et il se met directement dans le téléphone. Je trouve ça super cool. Voilà. Ensuite, tu as ton inventaire. D'accord. Après, tu as encore un menu divers avec prendre en otage. Si tu achètes un animal, ici c'est pour le faire aller chercher une balle, venir au pied, enfin tu vois ce que je veux dire. Là, les props, ce sont tous des accessoires pour améliorer ton RP. Donc admettons si tu es, je sais pas, si tu es mécano, bah, tu vas aller dans le menu mécano. Et là, t'as des outils, t'as un sac à outils, enfin voilà, tu vois, t'as plein de trucs. Si t'es EMS, t'as des trousses médicales, t'as un sac mortuaire. Restauration, t'as plein de trucs, tu vois. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Gang, t'as aussi plein de trucs. Voilà. Donc ça, ce sont les props. Alors ensuite, tu as le menu animation avec les emotes danse, avec des objets, les emotes pour les métiers, tout ça, tu vois. C'est très complet. Ici, tu as le style de marche, ton style d'humeur. Voilà. De toute façon, tout est expliqué, hein, tout est en français de toute façon. Hein. Alors ensuite, tu as les masques, le porté, ta carte SIM. Et alors ça, c'est le truc le plus génial que je trouve. C'est le shop donateur. Donc c'est-à-dire que grâce à des virements PayPal, donc tu vas faire un petit don pour le serveur, tu vas récupérer des céréales. Pourquoi céréales? Ben parce que le serveur, c'est Kellogg's RP. Tu vas récupérer des céréales. Alors, 1000 céréales égale 10 euros, 2000 céréales 20 euros. Enfin, t'as compris le système, quoi. Et alors, tu vas aller dans la liste des véhicules avec les prix, tu vois, le prix en céréales. Donc, ceux-là, c'est 10 euros, 15 euros, 20 euros, 25 euros et 30 euros. Et contrairement aux autres serveurs sur lesquels j'ai été, où tu dois attendre qu'un admin te fasse spawn la voiture devant toi. Ici, ce qui est bien foutu, c'est que tu peux tester le véhicule sans devoir l'acheter. Donc tu vois, tu vas faire, admettons, tu veux tester la Kawasaki. Hop, tu fais ça. Essayer le véhicule. Tu fais ça. Et là, tu es directement envoyé sur l'aéroport où tu peux tester ton véhicule pendant 20 secondes. Tu vois, comme ça tu sais dire s'il te plaît ou s'il te plaît pas. Voilà, tu veux pas celui-là, tu prends un autre. Tu vois, tu peux tester tous les véhicules que tu veux. Même chose avec les voitures.
Voilà. Tu vois? C'est très complet, hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre? Donc ça, on va quitter. Hop. Voilà. Au niveau de la carte, tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup de métiers. Tu vois, tu as l'agent immobilier, tu as une animalerie pour acheter des animaux, tu as l'auto-école, la BCSO, le barbillard, le bénise, les trucs de vêtements, une boulangerie. Là voilà, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour toi t'amuser. Voilà. Alors, si tu veux trouver du travail, tout se fait par le jeu, plus par Discord. Donc tu vas devoir te rendre... c'est où encore? À chaque fois, je sais plus où c'est. Tu vas devoir te rendre... C'est là. C'est quoi ça? Pour l'emploi. Non, c'est pas pour l'emploi. Mec, je sais plus où c'est. C'est la poste, il me semble. Ouais, je crois que c'est la poste. Ouais, je crois que c'est là-bas. Donc je vais te montrer un petit peu. Quand tu veux trouver un métier, comment tu fais. Il y a les adresses mail normalement sur le Discord. Donc toi tu vas te rendre à la poste. Niveau mapping, il y a vraiment de très très belles choses. Il y a des bars qui sont super bien faits, le commissariat est super bien fait, l'hôpital aussi. Non, il est vraiment génial le serveur. Voilà, donc ici on va à la poste. Là, hop, on ferme le véhicule. Alors moi j'ai postulé pour être LSPD. Bon, on va pas oublier de manger sinon... Il va nous arriver des bricoles. Pour manger, tu as juste à faire un clic droit. Utiliser. Et alors, tu vois, sur ta montre, il y a ta faim et ta soif qui montent. Voilà. Donc, au niveau des métiers, tu es obligé de venir ici. Bon. Tu peux faire des métiers pour l'emploi aussi. Hein. Attends, je vais te montrer. Si jamais il n'y a personne, si tu as envie de te faire un peu d'argent ou si tu t'emmerdes, tu as des métiers pour l'emploi. Tu as éboueur. Tu as aller chercher des oranges et les vendre. Et alors, tu as encore un autre truc. Je crois que c'est livreur. Ouais, je crois que c'est livreur, il me semble. Alors... Pour gagner un peu d'argent, tu as la chasse et tu as la pêche aussi. Donc là, ici, on va monter à l'étage. Hop, tu te mets sur un ordinateur. Tac. Tu rentres ton adresse mail et ton mot de passe. Donc moi, c'est Scott. Je sais pas si ça va marcher. Connexion annulée, l'email ou le mot de passe n'est pas correct. Ah oui, il faut faire A Kelox. Mais comment tu fais le A? Comment je peux faire, moi? Attends. Il veut pas afficher le A, moi, sur le jeu.
C'est bizarre, hein. Et ici, ça marche pourtant. Tiens. Tiens, je me rappelle plus c'est quoi l'adresse. Attends, on va faire enregistrer pour voir. Voilà, donc c'est akelox.rp. Avez-vous un compte logging? Ok, donc c'est Scott Turner à Kellogg. Connexion annulée, l'email ou le mot de passe n'est pas correct. C'était un K majuscule? Oh, fais chier, putain. Ah, d'accord, il n'y a pas le trait du... Ok, d'accord. Il n'y a pas ça. Kellogg.rp. Normalement ça doit être bon. Pourquoi ça marche pas? Ah, ça casse les couilles! Pourquoi ça marche pas? Scott Turner at Kellogg.rp. Je suis pas fou, c'est bien ça pourtant. Je l'ai bien écrit, non? Ah non, j'ai oublié un O. On va y arriver, hein. Là, si c'est pas bon, je sais plus quoi faire. Ah, voilà. Voilà, donc ici, si vous voulez chercher du travail, vous venez ici, vous prenez l'email de l'entreprise, vous faites envoyer un email, vous mettez le destinataire, l'objet, et vous mettez votre message avec votre CV. Tout se fait par ça. Plus de Discord. C'est vraiment pour faire venir les gens en RP, pour qu'il y ait le plus de RP possible. Alors, est-ce que j'ai une... Non, j'ai pas eu de réponse encore pour les speedy. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est ici que tout se passe pour les métiers. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, hein. Je vous ai expliqué la montre, j'ai expliqué le menu radial. Ici encore. Je crois que c'est tout. Le reste, à vous de découvrir. Je ne vais pas vous montrer le mapping, ça serait un peu dommage. L'hôpital, enfin tout ça, quoi. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire une vidéo la plus explicative possible. Au niveau du staff, il est très 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 réactif. Ils sont à l'écoute de leurs joueurs. Donc honnêtement, voilà, je le dis et je le répète,
c'est pour moi le meilleur serveur que j'ai fait actuellement. Donc, si vous cherchez un bon serveur avec un bon RP, avec un staff réactif et à l'écoute de leurs joueurs, je vous conseille vraiment Kellogg's RP. Voilà, cette vidéo se finit. J'espère vous avoir convaincu et vous avoir donné l'envie de nous rejoindre. Et voilà. Au revoir tout le monde.